Et c'est parlé comme ça simplement, et puis il m'a proposé de travailler avec lui, et il m'a fait ce grand bonheur, parce qu'il a l'habitude de travailler avec des gens comme Joe Stone, Nathalie Broglia, Jason Brad. Il a aussi bossé avec sur le dernier album de Adele, et ça a été un grand honneur pour moi. Il fait partie d'un groupe. Oui, qui s'appelle Ben's Brother. Bah, bien sûr. Ouais, et il m'a fait cette chance, il m'a donné ce super truc, et c'est super titre qu'on a bossé ensemble, et j'étais juste extrêmement heureux et très flatté, et puis de le chanter avec lui en duo sur l'album, c'est un grand plaisir. Et puis de le chanter là, devant le public de Lisieux. On a toujours Lisieux. Ils sont exceptionnels. C'est très beau. L'échappée, l'album de Merwan Rim. Ça fait quoi de présenter maintenant tes titres sur scène devant ton public? Écoute, c'est après un peu plus de 10 années de tournée dans le monde entier entre l'Europe, les États-Unis, l'Asie, le Japon, etc. Évidemment, ça fait partie. Donc. Rien que ça. Et ouais, ça a été un grand plaisir entre les 10 commandements, le Roi Soleil, Mozart, l'Opéra Rock, et puis aujourd'hui de me retrouver en solo, quoi, c'est un grand plaisir. Mozart, l'Opéra Rock, vous connaissez tous, bien sûr. Ça cartonnait aussi. Alors, on va faire la petite photo quand même, parce qu'ils sont très très chauds, et puis on les réclame, ces photos de Merwan Rim sur le Facebook de Crystal. Est-ce que vous êtes prêts à lever les bras? Alors attention, en criant pour les auditeurs de Crystal qui nous écoutent, à Lisieux et partout en Normandie, dans les Yvelines, es-tu prêt? On va faire une petite photo. On lève les mains, Lisieux! Deuxième, c'est parti! Deuxième, allez, parfait, bravo, Lisieux! Applaudissements!